entendu la musique à fond à Folzheim? Les ravageurs ont installé un garage dans ce qu'il reste de la ville. Je suis sûr qu'il serait dans la merde s'il perdait le contrôle de cet endroit. Tu crois pas? Eh, hey, vous, merci du coup de main. Ça va pas, la tête? C'est vous, l'étrangère? J'ai cru comprendre que les ravageurs vous aimaient pas trop. Bien. Il était temps que la jeunesse s'implique dans le combat. Moi, c'est Grace. Et si ma vue était pas partie en couille, je me battrais à vos côtés. J'ai peut-être pas autant la forme qu'avant. Mais je sais encore me servir de mes deux mains. Quand j'ai compris que je pourrais plus jamais viser et tirer comme avant, j'ai fabriqué une arme pour contourner le problème. Je me suis inspirée d'une idée à vous, d'ailleurs, en y rajoutant quelques modifications. Si j'étais pas si modeste, je dirais que c'est la meilleure arme de tout Hope County. Le seul problème, c'est que les ravageurs me l'ont volée pour l'emporter à la vieille gare de triage. C'est là qu'ils planquent le matériel qui pique aux gens du coin. Ce sera pas facile, mais croyez-moi, ça vaut le coup de risquer sa peau pour ça. Allez chercher l'arme, reprenez ce qu'ils ont volé, et abattez les débiles qui essaieront de vous arrêter. Wow. Allez, allez, je te vois là.
sans fibre, grosse merde. J'aime vraiment pas ce soleil.
C'est quoi ?
J'ai entendu un bruit. C'est un vrai petit bijou, pas vrai? Beau travail. Vous avez filé une sacrée branlée aux ravageurs. Gardez l'arme. Comme je vous disais, j'y vois plus aussi bien qu'avant. Elle vous servira bien plus qu'à moi. Et le matériel que vous avez repris, ça appartenait aux gens d'ici. Investissez-le dans la communauté. Les habitants de Prosperity sauront quoi faire de tout ce que vous voudrez bien leur donner. Moi y compris. Vous avez bien entendu. Je rentre à Prosperity pour de bon. Si vos amis ou vous avez besoin d'entraînement, passez me voir. Prenez soin de vous. Thank you.
sont morts pendant le siège, mais pas toi. On a déjà essayé de faire venir un train de marchandises, mais cette saloperie s'est cassée la gueule en traversant un pont. La plupart des gens sont trop trouillards pour grimper là-haut. Mais il doit sûrement rester du matos intéressant.